Social toujours avec cette grève qui dure depuis 14 jours au Crédit Moderne. L'agence de Cayenne est fermée. Les employés répondent ainsi à l'appel d'une intersyndicale anti-Guyane. Le représentant syndical CDTG du Crédit Moderne Guyane a participé à des négociations jeudi dernier en Martinique. Des négociations qui n'ont pour l'instant pas abouti. Écoutez. On a commencé à négocier et... Au bout de cette négociation, on a fini vers 0h30 du matin et il ne s'est rien passé. Les points d'achoppement restent l'augmentation des salaires et la prime exceptionnelle et le paiement des jours de grève. La situation est donc bloquée ? La situation est bloquée. En Guadeloupe, là, on vient d'apprendre qu'ils ont envoyé l'huissier pour faire constater. Et plus personne ne rentre, ni au Crédit Moderne de Guadeloupe, ni au Crédit Moderne de Martinique, ni dans celui de Guyane. Quel est le moral des troupes, là ? Au beau fixe, plus que jamais, puisque là, on se rend bien compte qu'ils jouent, on joue, nous sommes des balles de ping-pong. Et donc là, on va se réunir bientôt pour savoir si on ne va pas demander à ce qu'on n'ait plus affaire avec lui. Et directement au patron de Métropole qui viendront sur place.